Allez là, c'est Space, et bienvenue pour un nouvel épisode. C'est pas la bonne intro. Allez là, c'est Space, et bienvenue dans un nouvel épisode de LPO. Let's play Space. Petit épisode. Ça doit s'entendre un petit peu à ma voix. Petit épisode tranquille, qui va être un petit peu récapitulatif. Des vacances plutôt chargées pour moi, puisque j'ai été à des cubes et des pioches, j'ai été aussi streamer pour les nuits de Crone, et puis voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc comme vous avez vu sur le Morochemort, il y a eu un petit peu de changement, et donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Je vais commencer par les nuits de Crone. Les Nuits de Crone, j'avais participé déjà l'année dernière aux Nuits de Crone. J'avais donc streamé, j'avais fait deux streams. J'avais fait un premier stream, j'avais fait un stream sur Duke Nukem, et j'avais fait un deuxième stream sur Minecraft, sur l'ULPO. Et on avait tenté de commencer à construire ensemble notre vaisseau qui doit nous servir de base. Et je croyais qu'il y avait un creeper. Et donc, cette année, j'ai recommencé. Sinon, cette année, je n'ai fait que du Minecraft. Et au final, grâce à vous, si vous êtes passé sur le live, on aura récolté ensemble, sur mes deux streams, un petit peu plus de 1 400 €. Donc, je suis relativement content de ce score. À mon niveau, je trouve que c'est énorme. Je suis vraiment hyper heureux d'avoir pu, à mon petit niveau, rapporter, allez, on va arrondir à 1500, ouais, non, on peut dire 1 400 €, d'avoir rapporté 1 400 € pour la recherche contre la maladie de Crohn. Et donc, tout ça grâce à vous. J'ai bien évidemment, enfin non, pas bien évidemment, mais pour essayer un peu de motiver aussi les gens, de pas avoir peut-être cette sensation de donner un peu dans le vide, entre grosses guillemets. J'ai donc organisé un concours pendant le deuxième live, et il y avait donc à gagner un t-shirt mon effigie des Nuits de Crone, et surtout un clavier que j'ai fait dédicacer par Aïe Pierre, Monster Butcher, Names, Bill Silverlight, et puis Richie, bien entendu. Et je pense n'avoir oublié personne. Donc je l'ai fait dédicacer pendant les cubes et les pioches. Donc les deux vainqueurs ont été tirés. Donc il y a Mister 26 qui a gagné le t-shirt. Et Mister 26, j'attends toujours de tes nouvelles. Donc si tu passes par là, eh bien écoute, fais-moi un signe. Ça ferait plaisir, histoire que tu puisses récupérer ton t-shirt. Et pour le clavier, c'est Maïté qui a gagné, qui n'était pas son pseudo. Là, je ne l'ai plus en tête, j'ai juste son prénom. Donc bravo à toi, merci donc à vous deux pour les dons, et merci donc à vous tous. C'était vraiment énorme. Et donc en plus de ça, à chaque fois que quelqu'un faisait un don, eh bien, il avait droit à sa petite tête sur le Mont Rochemort, sachant que certaines personnes l'avaient déjà, notamment Lisa Andrew, qui passera par là. J'allais pas te faire à toi une deuxième tête, mais voilà. Et donc j'étais en train de bosser dessus, comme vous l'avez peut-être vu pendant l'intro, et puis voilà. Donc là je bosse sur un skin qui est relativement pâle. Alors ce qui est dommage, c'est qu'avec l'argile, la peau fait un peu bleue, alors qu'elle est plutôt dans une teinte un peu rose, mais je pense qu'au final c'est quand même ce que je vais laisser, cette couleur là de peau, parce que parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs qui feraient vraiment très clair. Et puis voilà, de toute façon, dans l'effet de masse, ça se fondra très bien. Après, j'ai réfléchi à un truc, je me dis que ce serait peut-être pas mal. Alors le problème, c'est que ça ferait tâche. Parce que je me serais dit, il faudrait peut-être que les gens aient leur pseudo au niveau de leur visage. Et je peux pas leur mettre sur le visage parce que ça ferait carrément tâche. Je peux pas non plus leur mettre sur la joue parce que de loin ça ferait un pixel. Donc je sais pas trop, peut-être réfléchir à faire une sorte de mini-map du Mont Rochemort. Pourquoi pas? C'est vrai que ce serait intéressant. Pourquoi pas sur ce petit îlot?
Ce qu'il y a, c'est que le mont Rochemort, en fait, il va être énorme il part par là-bas. Et il part aussi de l'autre côté de la montagne. Ça fait une sorte de U un peu. Non, de C plutôt. Donc voilà. En tout, il y a eu. Je sais pas, sur mes deux streams, on a dû atteindre peut-être les. Je sais pas, je dirais les 50 ou les 60 donneurs. Donateurs, pardon. Donc voilà. Vraiment, merci à vous. C'était une super expérience. D'ailleurs, j'hésite énormément à me lancer dans le stream. Dans le stream, ce qui me permettrait d'être beaucoup plus actif sur YouTube, puisque en dehors du fait de pouvoir eh bien, repartager mes streams sur YouTube, faire des streams me permettrait d'avancer considérablement dans le LPO, puisque mon let's play au final me bouffe trop de temps habituellement, et c'est vrai que j'ai pas mal de travail, et donc si je peux en plus de ça, partager ces moments où je travaille sur le LPO en stream et puis et en fait de temps en temps par exemple je sais pas moi je pourrais faire un stream où je mets tous les visages et puis après moi je sais pas de temps en temps je peux couper ou même faire des moments de tournage en live ce serait assez original je pense donc attendez là il faut que j'aille finir de compléter le visage voilà la vue est vraiment sympa je trouve. Par rapport à comment ça se remplit. Donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'hésite à me mettre au stream. Donc sur ma chaîne Twitch, bien entendu. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresserait potentiellement, eh bien dites-le moi dans les commentaires. À la limite, je laisserai un petit. Je mettrai deux commentaires. On se fera ça un peu à la tea time. Et puis je mettrai un commentaire vas-y pour le stream. Et puis sinon, rentre chez toi, un truc comme ça. Et vous aurez juste à mettre un petit pouce bleu, petit pouce bleu des familles, histoire de me dire si oui ou non, eh bien, ça vous intéresserait de me voir et de m'entendre en live, à la place de Plus belle la vie ou de Scène de ménage, par exemple. Voilà, parce que j'aimerais bien. Enfin, de toute façon, enfin, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup envie de faire, mais ça me donnerait aussi une idée de savoir si vous êtes disponible en week-end. En week-end, n'importe quoi, en semaine, parce que moi ce serait surtout en semaine que je liverais. Ce serait pas des gros lives, à hein, chaque fois ce serait des petits lives, je sais pas moi, d'une heure à peu près, hein, une heure et demie, peut-être deux, à la place du film du soir, puisque moi je regarde pas la télé. Donc voilà, faites-le moi savoir si ce genre d'activité nocturne vous intéresserait. Et puis à ce moment-là, c'est vrai que ce serait sympa de pouvoir planifier ça ensemble, pourquoi pas sur le Twitter. Et puis voilà quoi. Donc là, normalement c'est bon. Je vais pouvoir remplir avec un peu de cobleu. Et puis on va se retrouver à coup d'ellipse magique. Alors attendez. Parce que là, il faut faire les choses bien. Donc là, on va faire genre bim. Voilà. On verra pas la cobble de loin. Avec la magie du montage, on va se retrouver au niveau de la base. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pendant les nuits de Crone. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Et puis, je pense qu'on va se faire ça façon Manodou. Alors, attendez. Bim. On va faire ça. C'est parti! Donc, déjà, vous pouvez voir qu'il y a du changement juste là. Ce n'est pas un. Oula! Attention! Ce n'est pas une marque de virilité, c'est donc un des projets que j'ai fait, donc je l'avais évoqué dans les premiers épisodes du LPO. J'avais envie de faire le phare de BioShock. Alors attendez, parce qu'au final on ne peut pas le voir dans l'intérieur, donc vous voyez quand même que c'est relativement grand. On va faire une sorte de petit tour, on va le faire par là. Donc le pont a été détruit, on a eu un petit hashtag RIP le pont. Bim. Ah oui, alors attendez, en plus, normalement, il y a un donneur qui est juste là. Non, c'était une idée d'un donneur. Attendez, El Pollo. Normalement, il y a une poule. La poule El Pollo. Voilà. Oh, alors attendez, est-ce que là, elle vient de pondre? C'est énorme. Est-ce que la poule, l'œuf de la poule El Pollo, va nous offrir un truc? Attendez, il y a un autre œuf. Voilà, on le prend pas. Parfait, bim. Donc, j'ai lancé un œuf, en fait, pendant le live.
Et puis, il nous a offert un petit poulet. Alors, voyons voir si son papa va être aussi efficace. Ok, pas du tout. Bon, très bien. Donc voilà, j'ai essayé de... Enfin, j'ai essayé. Je suis en train donc de reproduire le phare de BioShock. Donc, j'ai commencé lors de la première session du live. Normalement, le phare de BioShock, c'est un hexagone. Le problème, c'est que je peux pas avoir des faces plates. Six faces plates avec sur Minecraft. Donc, bah, au final, j'en ai fait un. Il est. C'est un peu un mix entre celui du 1 et celui du 3. Donc, celui-là est un peu circulaire, avec des faces assez plates bah, sur les quatre côtés cardinaux. Et donc, avec quand même les grandes fenêtres comme dans le 1. Et il manque juste la statue tout en haut. Et je me rends compte que j'ai carrément oublié de faire gagner la place. Pour avoir la statue, parce qu'en fait il y a une statue tout en haut et je voulais mettre la statue de quelqu'un, d'un des donneurs. Donc je regarderai au niveau des tickets celui qui au final en a eu le plus, parce que à chaque fois qu'il y avait un don de 5 euros pendant les nuits de Crone, eh ben, vous gagnez un ticket, ça vous est gagné un ticket pour le tirage au sort pour gagner le clavier dédicacé et puis le t-shirt. Donc au final je prendrai celui qui en a le plus et c'est lui que je mettrai donc tout en haut. Ça me paraît être un bon compromis. Donc voilà, ça a pas mal avancé. Il faut encore que je fasse des mix, que je ne mette pas que de la stone brick. Je mettrai peut-être un peu de diorite brute. Parce que. De l'andésite, pardon. Pas de la diorite. Un peu d'andésite. Et. Pourquoi pas de la chisel stone brick aussi, un peu de mossy stone brick. Au niveau du pied, normalement, du phare, il faudrait que je rajoute de la cobble assez brute, parce que c'est comme ça, en tout cas, sur les concept art du phare de BioShock. Et voilà aussi ce qui a été fait. Un deuxième projet qui, lui, en revanche, est terminé, en théorie. Peut-être nécessite encore quelques terraforming, terraformage, un peu de terraformage. Notamment ici, parce qu'on voit pas, on voit pas trop le logo, tout simplement. Mais voilà, le logo des Necrons qui a été fait. Alors au final, ça, on peut le laisser. Et je crois que voilà, il faut faire comme ça. Et là, on va y laisser un peu de terre. Voilà. Donc là, concrètement, ça, il faut qu'on s'en débarrasse. Alors attendez, c'est un peu fort. Bim. On va est-ce qu'on va faire ça à bloc? Voilà, parfait. On va falloir se débarrasser de tout ça, histoire de bien dégager la vue sur le pixel art, tout simplement. Mais voilà. Donc ça, c'est le logo des Nuits de Crone. C'était la troisième édition cette année, et donc ma deuxième participation. Voilà, donc c'était encore une fois une super expérience. Et, ah oui. Voilà, vu pendant le live. Ah! Ah bah si je peux le... Alors je sais pas si ça a été réglé, mais pendant le live je pouvais pas le diriger ce cheval. Et de mémoire j'ai aucun souvenir de l'avoir utilisé dans un épisode. Parce que j'ai vu ce cheval qui avait, voilà, qui avait une armure. J'ai aucun souvenir d'avoir fait ça, d'avoir équipé un cheval d'une armure en fer. En général moi je les équipe d'une armure en diamant, de celle que je trouve dans le Nether. Donc voilà, enfin bref. Et ensuite... Parfait en coordination avec la levée du jour. Décuver les pioches. Décuver les pioches, ça s'est passé à Tarbes cette année. Beaucoup moins de monde qu'à Paris. Ce qui peut se comprendre en même temps, puisque il y a quand même. C'est pas du tout la même position géographique, c'est pas la même facilité d'accès. Je pense qu'il y a eu 10 fois moins de personnes, environ, je dirais. Mais ça n'en reste pas moins que la convention était génialissime. Un gros bravo slash merci à Matt Fenric et à toute l'équipe Format Geek, qu'il faut surtout pas oublier, mais surtout ouais, à Matt Fenric. Un gros merci à toi si tu passes par là. Même si quand je suis arrivé, quand je suis arrivé après mes 8 heures de train, eh bien on s'est rendu compte que je n'étais ni sur les listes et que je n'avais pas mon badge non plus. Mis à part ça, et que ça a été réglé assez rapidement, mis à part ça, tout s'est hyper bien passé.
J'étais pas censé avoir de stand. Au final, je me suis retrouvé avec un petit stand. Donc ça aussi, c'était plutôt cool. Donc voilà, des gens super sympas. J'ai rencontré aussi surtout des gens. J'ai pu notamment parler un peu plus avec Nems, qui stream sur Level Down. Super sympa. Super sympa, le Nems, une bonne surprise. Et puis j'ai pu revoir donc Nicolas de MGCR. Enfin, il y avait pas mal de monde. Grosse surprise, découverte du staff de Epicube. Si certains d'entre vous passent par là, gros big up à vous. Voilà, très sympa. Donc j'irai probablement faire un tour en tant que bon gros vendu. Non, en tant que gros curieux, parce que je suis jamais allé sur Epicube, donc je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc probablement que j'irai y faire un tour en vidéo. Ou en stream, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faudrait que j'aille faire un tour sur leur serveur. Parce qu'en tout cas, leur staff, eh bien, il est génialissime, super sympa. On a passé quelques soirées ensemble, que ce soit en bar ou au resto. C'était vraiment super cool. Un super repas au Buffalo Grill. Et puis, oh ben voilà, ça coûte rien. Et à la limite, je me demande même si je paierais pas moins cher. Bon, c'est pas vraiment à faire ça. It's not a problem. Voilà, 4. Que 4, hein, ça suffit, hein. Ouais, parfait. Donc voilà, ouais. Epicube. Des gens super cool. Et puis, y avait des gens de Loup-Garou en ligne. Super sympa aussi. Donc voilà. Dès qu'il y avait des pioches, c'était cool. C'est dommage. C'est vrai qu'il n'y ait pas eu trop de monde au final. Parce que bah, ça aurait mérité plus de monde. Parce que d'un point de vue organisation, alors que c'était une convention gratuite, et ben c'était 10 000 fois mieux organisé que la Cavicon. Que ce soit pour le staff, pour l'accueil des gens, etc. C'était vraiment super, super bien organisé. Tous les bénévoles, super cool. Il y avait une super ambiance. Et puis, non, vraiment, c'était une super convention. Et je regrette pas les 16 heures de train aller-retour. Enfin, au final, en tout, quoi, 8 heures aller, 8 heures retour. Je ne regrette pas parce que eh ben, ça valait largement le coup. Ça valait largement le coup. Et puis, ben voilà quoi. C'est à peu près tout, je pense, au niveau des annonces. On n'est pas si pire. En ce qui nous concerne, nous, on va essayer de parler un petit peu donc de la sauvegarde, tout ça, du let's play, de la chaîne. Qu'est-ce qu'il en est? Je suis enfin tranquillement installé. Je suis enfin tranquillement installé. Donc on est installé avec Kevin Fox. On est ensemble dans le même appartement. Cette année, j'ai donc Internet. Ici, c'est ma mine à ciel ouvert que j'utilise notamment pour faire la pierre pour ma cathédrale et que j'ai utilisé pour le phare. Parce que comme vous avez vu, ça m'a englouti une quantité monumentale de stone brick. Là, je travaille sur un petit système. Rien de bien fou, mais pouvoir miner et qu'il y ait un kart qui vienne, que je le remplisse et qu'il amène là-bas directement près de la cathédrale pour que ça brûle bien comme il faut. Et puis voilà. Donc, au niveau des deux chaînes, j'en profite aussi pour parler un peu de Confiture de Culture. Confiture de Culture, j'ai une vidéo en cours de montage que j'ai tournée début octobre. Donc, vous verrez quand vous la. Quand je la mettrai en ligne, eh bien, je l'ai tournée le 7 octobre, il me semble. J'aimerais vraiment récupérer un rythme en complet, enfin un bon rythme, c'est-à-dire poster au moins 3 vidéos par semaine, c'est-à-dire au moins 2 LPO par semaine et puis une vidéo de Confiture de Culture. Dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire. Enfin, sur Confiture de Culture, donc que ce soit. Soit un Twiff, soit un Confiture de Culture, soit peut-être autre chose. Mais en tout cas, voilà, je vais vous mettre juste là. Regardez, on va se mettre ensemble. Il me faudrait une sorte d'écran pour regarder bien comme il faut. Oh,
Arrête ça là. Regardez, une petite incrustation des familles. Bim. Donc, voilà mon emploi du temps. Et donc, il s'est relativement allégé et je pense qu'il y a plein de sessions de tournage et de montage à ces endroits-là afin de pouvoir assurer une certaine activité sur la chaîne. Donc voilà. Donc probablement pas cette semaine parce que cette semaine ça va être assez tendu et notamment ce week-end on est à la Video City avec Even Fox. Mais à partir de la semaine prochaine, voilà, je pense pouvoir tourner du LPO ben, le lundi et le jeudi. Et je pense pouvoir tourner eh bien, pour Confiture de Culture le samedi. Ce qui fait que si je tourne le lundi, ça sort le mardi. Si je tourne le jeudi, ça sort le vendredi. Et si je tourne le samedi, ça sort le dimanche. Donc, s'il ferait une vidéo le mardi, le vendredi et le dimanche. Et voilà. Donc, on va partir sur ce pari-là et on va essayer de le tenir au moins jusqu'à la fin de l'année. Voir ce que ça donne au niveau du rythme, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Parce que là, il commence à être déjà un petit peu tard. Je voulais au moins vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et puis, donc, prochainement, eh ben, on pourra finir ensemble le phare. J'ai très envie de reprendre le vaisseau. Et puis, j'ai continué, moi, un peu de mon côté, la cathédrale, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et puis, voilà, il faut que je me refasse une pioche, parce que celle-là, elle ressemble à rien du tout. Et j'ai déjà plus de niveau. C'est incroyable. Donc, par rapport à ça, par rapport au niveau, il faut aussi et surtout que je retravaille sur la ferme à zombies, parce que je trouve qu'elle marche pas du tout. Enfin, c'est vraiment un délire, quoi. Elle ne fonctionne pas. Donc, si vous avez, si vous êtes au courant de pourquoi, par exemple, les anciens formats de ferme à zombies ne fonctionnent pas, eh bien, dites-le moi dans les commentaires s'il y a une solution, si vous avez des screens ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me partager, même si vous avez une petite chaîne et que vous avez montré en vidéo comment faire une bonne ferme à zombies. N'hésitez pas à me l'envoyer parce que moi, c'était un format classique que j'avais fait. Ok. Donc là. C'est le plantage. Ok. Donc voilà. Moi, c'était le format classique que j'avais. Donc là, j'ai réouvert ici pour le temps d'un live. Mais je sais pas. Je trouve que je vais faire un petit AFK. Et puis on finira l'épisode là-dessus. Je vais faire un AFK d'une quinzaine de minutes. Et vous verrez qu'au final, ce sera pas la folie niveau zombie. Pourtant, c'est relativement bien éclairé un peu partout. Je vais récupérer. Il faudrait que je récupère. Voilà, de la terre. Pour voir si j'en ai pas un peu ailleurs. Voilà, parfait, bim. Donc, avec tout ça, ça va suffire. Je vais remplir le pixel art de zombie. Alors, c'est marrant parce que le cheval veut plus sprinter non plus. Alors, je sais pas si c'est un bug de snapshot ou pas. Bref. Donc, je vais. Voilà, donc là, je vais remplir ça. Je me mets à FK pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Et puis on verra, bah je verrai en même temps. Si vraiment au final ma ferme à zombies ne fonctionne vraiment pas. Ou alors si c'était vraiment le hasard et qu'il fallait que j'attende un petit peu. Parce qu'en tout cas je suis bien hard. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pourtant voilà, je trouve que les résultats sont pas fous. C'est un peu embêtant là, la nuit tombe, donc on va dormir comme ça. Je sais qu'il y aura vraiment que les zombies qui pourront pop. Donc il y en a déjà un, on va s'en débarrasser tout de suite. Voilà, merci. Et puis voilà, donc bah, je vous retrouve moi après mon AFK. Voilà, donc ça fait 10 minutes et il y a 70 zombies quoi. Je suis pas convaincu que ce soit le ratio classique. En plus de ça, voyez? Normalement, ils sont censés tomber. Alors, non, peut-être que je suis médisant et que normalement, ils devraient tomber sur une dalle.
En tout cas, voilà, je trouve qu'il marche, il fonctionne beaucoup moins bien qu'avant. Alors en plus maintenant, avec la façon dont fonctionnent les dégâts, c'est même plus possible de... Oula! C'est même plus possible de spammer. Alors attendez, voilà, comme ça, bim. Et bon, voilà, je vais mettre 3000 ans. Je sais même pas si maintenant c'est quelque chose de viable en fait, les... Parce que vous voyez, je dois faire quoi là? Faire un demi de dégâts à chaque fois. Maintenant, il me faudrait. En fait, maintenant, je pense qu'il me faudrait des splash potions. Seulement, j'ai toujours pas ça. Donc voilà. Peut-être que le secret de la réussite, ce serait de les faire tomber sur une dalle. Mais en tout cas, bon. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup moins bien efficace qu'avant. Alors qu'avant, bah, ça marchait quand même assez bien. Quand j'avais besoin de d'XP, je restais là un petit moment. Et puis j'avais tous mes zombies qui arrivaient. Donc peut-être que de toute façon ça me forcera à aller un peu dans d'autres dimensions et pourquoi pas faire une ferme à Enderman. Puisque ça c'est un peu l'XP easy quoi. Donc voilà, le truc cool que je trouve dans cette snapshot sont les zombies villageois qui pop avec un skin de zombie déchiré. Et ça c'est cool. Au lieu de juste ressembler à un zombie classique avec une grosse tête, bah là au moins ils ont les vêtements. Donc ça c'est vraiment sympa. La 1.9 s'annonce vraiment énorme, je trouve. Et vous voyez, on a gagné. On a gagné 7 niveaux en 10 minutes. Je trouve que c'est pas fou, quoi. C'est pas la folie. Donc voilà. À bosser, pourquoi pas pendant un live. Mais. Bien sûr, en plus, j'ai pas mon arc avec moi. Ils ont donné quoi? Protection, Unbreaking. Ok, très bien. Bon, ben voilà. Écoutez, ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. Et puis, quant à moi, je vous dis portez-vous bien comme dit l'autre. Et puis, gardez votre swag. Allez. Salut! Oh,